Vous ne connaissez sûrement pas son nom, mais vous risquez de l'entendre à l'avenir. Adrien Pandariès, 22 ans, évolue cette semaine à Roissy pour l'un de ses premiers tournois en tant que joueur pro. J'ai eu mon diplôme universitaire il y a à peu près 4 semaines et je suis pro depuis, donc j'ai joué quelques tournois sur Challenge Tour grâce à la fédération, je les remercie d'ailleurs pour les invitations. Et voilà, on prend de l'expérience et on essaye d'apprendre à chaque fois. Le membre de Saint-Nom-la-Bretèche est donc passé de l'autre côté, dans un monde plus cruel et plus solitaire. Bien entouré par son staff de toujours, il a connu des débuts délicats, mais quoi de plus normal quand on vient de débarquer sur les circuits. J'ai joué deux fois sur Challenge Tour, manqué de cut, donc je jouais pas très bien depuis quelques mois et c'est vrai que j'ai essayé de... On espère que ça va bien se passer très rapidement, parce qu'on est des compétiteurs et parfois on essaie de... En tout cas on essaie d'apprendre et à chaque fois regarder le positif, apprendre de ce qui s'est moins bien passé et à chaque fois essayer de faire un peu mieux que la fois précédente. Et cette semaine ça se passe bien pour le moment, donc encore un tour et on verra. À Roissy depuis jeudi, il est pour l'instant très à l'aise sur le parcours. Cut franchi haut la main, il est co-leader du tournoi à moins 6 et se réjouit de décrocher ses premiers gains. Ouais, c'est cool, bah, on va gagner notre premier chèque, donc ça va être une nouvelle expérience pour moi de bien jouer au golf et gagner de l'argent. Et bon, c'est quand même un parcours et 14 clubs, et bon, les joueurs sont un peu meilleurs, mais on essaye de se mesurer au meilleur et de gagner, et on verra. Mais avant d'en arriver là, il a passé plusieurs années à l'université de Duke aux États-Unis. Un choix qui lui a offert de vraies opportunités et aujourd'hui, il est convaincu d'avoir pris la bonne décision. Peut-être que j'étais prêt à passer pour 18 ans, peut-être pas. En tout cas, j'ai beaucoup appris. J'ai un diplôme en poche, j'ai joué des parcours du PGA Tour quasiment à chaque tournoi avec des très très bons joueurs et donc j'ai beaucoup appris. En tout cas, pour moi, ça va bien réussir. Les ambitions d'Adrien sont grandes. Le golf, c'est son futur et il l'imagine sur le sol américain. J'aimerais bien dans 3 ans être sur le PGA Tour, je pense que c'est un bel objectif. En automne, je vais aux cartes du Grand Ferry Tour, donc 4 étapes et les 45 meilleurs à la fin qui ont leur carte. Donc l'idéal, ce serait d'avoir la carte du Tour Grand Ferry l'année prochaine et après, pourquoi pas le PGA Tour en 3 ans. En attendant, retour au Grand Prix PGA de Roissy, le Français est devant et jouera samedi en dernière partie pour un premier titre chez les pros. Je joue avec deux bons joueurs et il y a des bons joueurs aussi du Tour Challenge Tour et du Tour Européen juste derrière moi, donc ça va être un bon challenge au moins.